Allô, bonjour, bonsoir la famille. Très heureuse de te revoir encore là, en train de me regarder. En fait, la famille, on vient de finir notre semaine et nous attendons la prochaine semaine. Mais moi, je veux que tu puisses entrer, que nous puissions entrer à la nouvelle semaine avec la joie. C'est pourquoi je suis là devant toi. La famille, une chose que je peux te dire. Avoir la joie, c'est quelque chose qui est obligatoire dans notre vie. Et la joie, ce n'est pas quelqu'un qui donne la joie. Toi-même, tu dois faire l'effort d'avoir ta joie. Comment ça? Mais ton problème, c'est quoi? Tu lis beaucoup ta joie avec des choses qui sont inutiles. Avec des choses, ça peut être important pour toi, mais ce n'est pas essentiel. Parce que la seule chose qui est essentielle, c'est le souffle de vie. Donc, le souffle de vie nous suffit et tout vient après. C'est pourquoi, lorsque nous avons le souffle de vie, il faut toujours faire l'effort d'avoir la joie. Tu lis ta joie avec des choses qui ne sont pas essentielles. Ça peut être important, qui ne sont pas essentielles. Exemple. Toi, tu n'as pas la joie parce que tu n'as pas un enfant. Ma famille, je vais te dire une chose. Entre toi, tu n'as pas un enfant. Et une maman qui a perdu ses 5 enfants une seule fois aux États-Unis, qui avait des enfants, mais qui les a perdus. Entre vous deux, qui est la plus malheureuse? Qui est la plus malheureuse? Voilà pourquoi tu dois avoir ta joie sans avoir l'enfant. Tu n'as pas la joie parce que tu n'as pas un mari ou tu n'es pas dans les mariages. Mais je vais te dire une chose. Entre toi et une femme qui vient de perdre, qui était bien mariée, mais qui vient de perdre son mari, qui vient de se séparer avec son mari, que son mari vient de lui, de les chasser, quoi, de la chasser à cause d'une autre. Entre vous deux, qui est la plus malheureuse? Tu n'as pas la joie parce que tu as besoin d'argent. Non, 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 la famille. On n'a jamais besoin d'argent. On a juste besoin de réaliser une chose. Ok? Toi, tu as besoin d'argent pour faire quoi? On a juste besoin de réaliser une chose. Le besoin qu'on a, ça demande de l'argent. Mais ce n'est pas ça qui peut nous affrister. Ok? Ok, ma famille? C'est pourquoi. Pour continuer. Faisons d'abord un PC tac. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia.
tu as besoin des enfants. Tu as besoin de t'inquiéter, oh. Tu as un Dieu évangile. Si tu as besoin de t'inquiéter, oh. Ton Dieu évangile. Oh, voilà, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, voilà. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu inventé. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu évoque. Ah bon, tu as vu maintenant, non? Tu as chanté, non? Je vais te dire une chose, ma famille. Chanter, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour la joie. Chanter. Si tu penses à quelque chose, ok? Quelque chose ne marche pas. Lève-toi, commence à chanter. Chante lorsque tu fais des vaisselles. Chante lorsque tu fais des lessives. Chante à tout moment. Tu auras la joie est gratuite, la joie ne s'achète pas. Il n'y a pas une personne qui transmet la joie, parce que la personne que tu crois que c'est lui qui te transmet, c'est elle qui te transmet la joie. Je peux te dire, ma chérie, un jour la personne peut te décevoir, mais si tu es toi-même, tu sais comment chercher ta joie, tu auras ta joie, ok? Mais je te parle aussi aux ennemis de ta joie. Les ennemis de ta joie, ce sont les gens-là qui sont là, qui te pose des questions sans importance. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui savent bien que toi tu es célibataire, mais qui sont là. Hé, tu n'es pas encore marié. Regarde ces genres de questions que ces gens, les gens posent. Les gens qui savent bien que tu viens de t'investir quelque part ou tu as fait quelque chose qui n'a pas marché. Ce que tu as fait qui n'a pas marché, c'est seulement parce que Dieu n'a pas voulu ou ce n'est pas encore le moment. Mais ces gens-là sont là pour te poser des questions inutiles. Et mais je crois que ils savent bien que ce n'est pas tes projets ne sont pas encore n'ont pas marché. Mais ils vont te dire, mais je crois que tu étais en train de faire ça. Ces gens-là sont là souvent toujours pour te rappeler des mauvais souvenirs des gens, des mauvais souvenirs des choses que tu as déjà oubliées. Ça, ces gens-là sont toujours là pour ça. Ce sont les ennemis de ta joie, ok? Mais on ne tient pas compte d'eux. Nous, on avance, on est obligé d'avoir notre joie, ok? Même toi, une femme mariée, ou que ça ne marche pas avec ton mari, sache qu'il y a un Dieu là pour toi. Contemple-toi pour ta joie, ok? Il faut avoir la joie. Il y a des gens qui viennent de perdre, les gens qui sont chers, parce qu'il y a une chose qui peut essayer un peu, qui ne va pas arrêter ta joie. Mais ça donne des douleurs si tu viens de perdre une personne importante dans ta vie. Ça peut te causer la peine, ok? Mais ça ne va pas arrêter ta joie. Donc, c'est-à-dire à ce moment-là, tu vas avoir la peine. Donc, c'est comme si tu es torturé, quoi. Mais ça ne va pas arrêter ta joie. Ok, la famille. C'est pourquoi, une secret que je vais te dire, si tu es toujours, si tu as un problème, si tu vois, tu te sens un peu affristé, commence à chanter. Moi, je préfère pas, moi, j'aime pas beaucoup chanter des chansons profanes. Pourquoi? Parce que lorsque peut-être tu as la déception d'amour, ces gens-là chantent toujours pour l'amour, des choses comme ça. Parfois, ça peut te rappeler de tes déceptions, des choses comme ça. Mais lorsque je chante ce genre de chansons, ça me donne vraiment la joie. Ok, la famille, merci. Je rappelle à Dieu. Oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. C'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit mon frère. Il ne peut rien changer.
jour dans le tombeau. Il a revu Céline et Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a revu Céline et Sarah. Après 5 ans dans la stérilité. Ah oui, dans le FBC, ils ont eu. Et si je rappelle que ce sont les hommes et même pas les hommes politiciens car ils ne peuvent rien changer oh. Mais si je rappelle adieu je rappelle adieu celui qui doit revoir mon statut celui qui doit revoir mon statut Ok, en fait, le problème c'est quoi? Nous croyons, ok? Nous croyons en notre vie parce que nous avons la foi. Nous croyons que tout ce que nous allons faire, ça va marcher. On ne sait pas quand est-ce que ça va marcher. Mais nous avons la joie. Nous sommes obligés d'avoir la joie à tout moment. Même si nous manquons à manger, même si nous manquons à boire, même si nous avons des cas de maladie chez nous, même si nous nous inquiétons d'une chose, on n'est pas obligé de montrer notre inquiétude devant les gens. S'il te plaît, ma famille, ne montre jamais ta faiblesse devant les gens. Le monde est rempli de moqueurs, de gens de mauvaise foi. Ok? C'est pourquoi il est très important de ne pas montrer ta faiblesse devant les gens. C'est très important. Oui, ça va marcher. La marche vers notre réussite, c'est comme ça. On va glisser, on va tomber. Parfois, ça ne va pas marcher. On adore. Parfois, on a l'impression comme que c'est fini. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter notre joie. Ok? Ce n'est pas ça qui va notre visage. Qui va pluer, ok? Qui va faire pluer notre visage. Ok? Nous serons toujours le visage de la joie. Ok, ma famille? Marche vers Canaan. Tu marches la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, où vais-je arriver? À Canaan, où vais-je arriver? Allez. Merci. Si tu as la joie, si tu as réussi ta joie, si tu es contente avec moi, laisse-moi exprimer ta joie par le commentaire. Mais n'oublie pas aussi de partager, pour partager la joie que tu as, pour partager notre joie à d'autres familles. Peut-être ils vont rejoindre aussi notre famille, la famille harmonie, la famille équilibrée. Merci à toi. Bye et bon début de semaine.